Salut tout le monde, c'est TomTom sur 3, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Noctalia. Alors aujourd'hui, je sais pas encore si je vais vous montrer l'enclame des AP, tout simplement parce que je sais pas combien de temps la vidéo durera. Vous l'aurez sûrement vu dans le titre de toute façon pour cette question là, mais voilà. Du coup aujourd'hui c'est exactement en fait, c'est juste la suite de la dernière vidéo, car la dernière vidéo en fait a commencé vraiment à être beaucoup trop longue. Et du coup je me suis dit que j'allais la couper en deux. Du coup voilà, elle est coupée en deux la vidéo, et vous allez voir la deuxième partie du coup de la préparation, et peut-être même l'unclaim des AP, et le fight qu'il va y avoir, ça va être assez violent, vous allez voir. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc bonne vidéo. Alors juste pour vous remettre en contexte, dans la dernière vidéo on s'était arrêté en plein farm d'XP. J'allais m'y remettre à farmer de l'XP. Donc on farmait avec une Smite 5 and Breaking 3 dans les spawners à squelette que j'avais acheté. Pour rappel, on a à peu près 15 spawners dans notre base claim. Donc voilà, c'était juste pour vous remettre en contexte. Bon, du coup je m'y suis remis, et vous voyez j'ai encore 2-3 bottes, mais on va pas s'éclater tout de suite. C'était juste pour vous montrer qu'est-ce que j'avais eu. Donc voilà, je me suis fait un deuxième full P4 U3 en platine. Et voilà, du coup on en est vraiment bien. Là vous voyez deux full P4 U3 en platine que j'utiliserai pour l'enclame des AP tout à l'heure. Là il nous reste encore 4h45, donc on a vraiment le temps. Donc là on est vraiment bien, on a deux full P4 platine, on a des pommes shit et tout. On essaie d'avoir des pommes shit pour tout le monde. Donc les pics zombies là, ils sont vraiment très utiles pour les lingots d'or. Enfin pour les lingots d'or et les nuggets, c'est vraiment assez utile. Vous voyez j'ai 35 nuggets. Donc vraiment c'est pas mal. On se met bien là, faut vraiment qu'on se prépare pour l'unclaim des AP. Normalement on devrait s'en sortir. Donc on essaiera de claimer un angle. Si on n'arrive pas à claimer un angle, on claimera un AP. Après le problème avec les angles, c'est que déjà il y aura beaucoup de monde qui voudront claimer un angle à mon avis. Et deuxièmement, si les angles ils sont vraiment très très loin dans la warzone, du coup ça c'est un petit peu relou. Bon après c'est pas si grave que ça non plus. Donc on verra bien comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura beaucoup de monde à certains endroits et pas beaucoup de monde à d'autres endroits. Donc on verra. Et peut-être avec un peu de chance on aura un angle. Peut-être qu'avec un peu de chance on aura un AP, on aura un long AP. Enfin on verra. On verra un petit peu comment ça se passe. Vu la taille de la warzone, il y a des AP pour tout le monde, même du côté nord. Donc là c'est sûr qu'on va avoir un AP. Quel AP, ça c'est la question. Bon du coup là il est 13h25. Donc l'unclaim des AP est dans moins de 3h. Dans 2h35 précisément. Donc on a encore du temps pour se préparer. Presque toute la fac est full P4U3. Il y en a qui ont même des doubles full P4U3, genre comme moi. Tout le monde a des punch 2, tout le monde a des T5F2, etc. Je vais aussi vous montrer ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de money. Donc c'est juste là-bas, c'est notre ferme à cactus qu'on a bien agrandi depuis la dernière vidéo. Vraiment là elle est vraiment géante, je vais vous la montrer rapidement. Enfin regardez, là en plus ils ont continué à la creuser ce matin. Donc toute la ferme à cactus elle est montée jusque là. Donc ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Là aussi ils ont creusé, là ils ont pas creusé, mais ils ont creusé de l'autre côté ici, je vais vous montrer rapidement. C'est juste là, donc ils ont creusé un chunk si je me trompe pas. Enfin voilà, ils ont un peu commencé à creuser ici, donc c'est vraiment pas mal. Ils comptent encore creuser tout ça. Donc ça c'est nickel, ici il y a vraiment pas mal de choses. Et pour l'enclame des AP on commence à se préparer niveau pomme shit et tout. Du coup on va aller au FOM rapidement. Je vais vous montrer rapidement tout ce qu'il y a, tout le stuff qu'on a préparé. Alors ici du coup on a préparé des golden apple normal, des patates de force etc, des ender. Là c'est pour faire des pomme cheat, les blocs d'or. Ici on a préparé des fire resist, c'est assez important. D'ailleurs je pense qu'on ferait mieux de ranger un petit peu mieux ces coffres. Au niveau des splash heal, bon j'ai rempli quand même quelques DC, voilà on a rempli, on a 3 DC, il nous en faut encore 2 coffres et ça sera nickel, du coup ça c'est bon. Pour l'instant moi mon P4 est toujours dans mon EC, je laisse tout dans mon EC en attendant pour pas l'abîmer ou quoi. Donc là on est pour l'instant on est vraiment bien stuff, on attend avec impatience l'enclame des AP qui se fait ouais dans maintenant 2h30 là, ça va être tendu. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit, enfin il y a Binou qui a dit qu'il y avait l'enclame des AP à 16h, il y a des gens qui savaient même pas qu'est-ce que c'était des AP. C'était assez rigolo quand on a vu ça. Mais bon voilà, du coup ça avance bien là, on va faire des potes de heal. Donc ça c'est nickel. Et la pharma cactus quand on vend tous les coffres qu'il y a, on se fait à peu près 5000$. Donc c'est pas énorme, mais même quand ils sont pas full les coffres, on se fait à peu près 5000$. Et vraiment 5000$ à chaque fois, du coup on agrandit, on met plus de hopper etc. Du coup ça c'est nickel, on s'est vraiment pas mal de money là dessus. Et ça nous permet d'acheter un max de choses. Par exemple les ingrédients là ça nous a coûté pas mal de money. Donc voilà, moi je suis à 1400 de money parce que j'ai vraiment dépensé beaucoup pour les ingrédients. Donc voilà, dès que j'ai du nouveau je vous reprends. Donc à tout de suite. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît la vidéo, parce que c'est vraiment assez palpitant là, l'enclame des AP dans 2h30. Donc on est à fond là. Bon du coup il est l'heure de l'enclame des AP. Et on va tous ce stuff là. Donc vous voyez on est tous full P4. Bon moi je vais mettre mon full P4 qui est tout repair, hop c'est parti. Je vais le mettre, je vais garder le deuxième stuff sur moi au cas où que je break. Ça pourrait toujours m'être utile pour éviter de me faire instant kill.
Hop, on va prendre des pommes, etc. Dans mon essai, j'ai de quoi au niveau des pommes sheet. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais me prendre deux pommes sheet au cas où. Voilà, deux pommes cheat, ça pourra toujours être utile. Par contre, what? Il a fait tous ses kits. Hop, donc deux pommes sheet, c'est nickel. Après, il va me falloir des potes de Fire Resi. Ici, on va s'en prendre trois des potes de Fire Resi. Et juste après, on ira dans la conf avec tous les autres. Donc, à mon avis, ça va être assez le bordel. À mon avis, ça va peut-être crier un petit peu. Donc, faites gaffe à vos oreilles. Hop, du coup, on va prendre de quoi? PVP, nickel. Par contre, un full Xenon, je sais pas, enfin, un stuff comme ça. Je vais peut-être aller tout en bas parce que je sais que tout en bas, moi j'avais mis un peu de stuff. On va y aller rapidement. Juste pour vous montrer. Alors, par contre, non, faut pas passer par ici. Qu'est-ce qui est en dessous? C'est Sky 14, c'est de l'HTPA. Sky. Voilà, donc on va vite fait ce stuff. Et bah voilà, donc là pour l'instant on est quand même bien stuff. Je vais juste faire qu'il me TP en bas. Ah bah c'est bon, il a fait un petit trou. Nickel. Hop, donc on va. Il était où mon stuff? Je sais que j'avais un full. Un kit démon, je crois qu'ils m'ont pris. ouais, non, il est plus là. Alors je vais peut-être aller à ma BP, peut-être qu'à ma BP j'ai un kit démon. Parce que un kit démon comme deuxième stuff, ça serait un peu mieux qu'un kit ombre. Donc on va essayer de se trouver un petit kit démon. Là c'est l'heure, enfin genre l'homme qui nous appelle, il est dans une demi-heure, du coup on va déjà commencer à monopoliser la zone. Hop, alors ici il n'y a rien, ici il n'y a rien. Je cherche un petit stuff démon. Il n'y a pas un petit stuff démon ici? Non, il n'y a pas un petit stuff démon. Tac tac tac. Non, ici il n'y en a pas. Donc je vais le chercher rapidement. Si jamais je le trouve pas, bon c'est pas grave, on ira avec ce stuff là qui est quand même pas mal. Du coup, on va aller dans la combo avec tous les autres. Donc je suis sur Skype là, c'est parti. Ouais les mecs, du coup là je suis en rec. Je suis en rec. Ouais, salut le Ouais, rec tu du t'en veux, perso. tu mettras le lien, salut Les le gars, rec, les y'a pas gars, de tome, ouais. il y a la faction. Attends, Flash F Show. Ziaodé Tiriba. Diluc, Putain, je prends regarde, juste tu vas des te mettre là, potions. tu vas te mettre à la place de Tacos. Diluc, tu te Il mets y a là. le youtubeur Slash F Et tu Show. fais F-Claim-O. C'est F-Claim-O. où les Moi? potions, Les les mecs, gars? c'est au F-Home, tu fais slash F-Home. Ok. On a 4 clés derrière. Putain, mais Les gars, j'ai crash. qui connecte? Les gars, qui ne m'a pas remis chef? Je peux OP personne. Oh non, putain. Les gars, par contre, il y a... J'ai crash. Les mecs en bas, mutez-vous et vous restez là. Revenez au claim, les gars. Revenez au claim, revenez au claim. Mais on est dans un claim, on est en train de perdre un ouais, claim. Je suis. Dans 2 minutes, putain, mais cassez les couilles, le gars visible, vous capez les gens. Reste oh, au claim, je sors la KB2. Restez au claim. Restez au claim, restez au claim. Les gars, ils vont prendre les claims d'à côté, ils vont prendre les claims. Débile, reviens. Mais c'est bien, il y a un gars qui est en train de traverser. Jusque là, toi, reste bien là, reste bien là. Je viens, mais les gens, qu'est-ce que tu fais? Ils vont en arrière, je suis tout seul. Souvent, il va Faut claimer les deux là. Oh, go sur le youtubeur là, il est en train de mettre nos claims. Ok, c'est bon, les mecs. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Laissez. Sors la KB. Qui a une KB2? Ouais, mais elle est dans On une est vraiment, on se fait deux avec qui là? Go, 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 faut qu'il back, faut qu'il back. Putain, y'a deux gars dans notre. Ils vont claim.
Mais t'inquiète, Kill, il pue la merde, la victime, t'arrives vraiment à te faire combo par lui. Regarde, mais j'étais en train de bouffer, excusez-moi. Putain, mais là, t'es focus, les gens, là. Les mecs, reprenez vos effets. Attention. Vite, il va avoir le claim. 30 secondes. Prenez vos potions. Attention, Sky. Revenez dans les claims. Dans les claims. Sortez-les de la warzone. Ouais, les gens, ils font plus sortir. Y'a un mec. Vous sortez pas de la warzone, je vais te laisser sortir. 4. 3. Y'a un mec. On a deux claims, première ligne. On a deux claims. Putain, on a que deux claims. J'ai pas réussi, j'ai été déco pour spam. Mais non, j'étais tout seul, ou j'étais trop. Mais je suis fait déco pour spam. Bon, du coup, au final, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu parce que c'est quand même pas mal. On a eu pas beaucoup de claims, enfin, on a pas eu tous les claims qu'on voulait. On a eu deux claims sur 4 collés à la Warzone, mais du coup, on a eu tous les claims derrière. Et je vais vous montrer aussi pourquoi bah, ceux qui ont claim à côté, bah, ils ont pas fait une très très bonne affaire. Genre, qui ont claim dans nos claims. Alors, je vais peut-être me faire kill, du coup, bon, j'ai pas un super sauf. Merde, ma smite. My smite vite, faut vite que je la mette dans mon essai, que je prenne une épée moins bien, voilà, nickel. Comme ça au moins je perds rien d'intéressant. Du coup bah voilà, là c'est notre AP. Je vais vous montrer rapidement le petit fmap slash fmap. Alors le fmap, on regarde, on a ces claims là et ces claims là. Du coup le H, enfin ces trois claims là, c'est leur AP à eux. Du coup bah lui, vu qu'on a des claims partout autour, on va pouvoir le faire péter mais genre tous les jours. Donc leur AP, ça va devenir un tacos brûlé, vous allez voir. Ça va être assez marrant. Bon, du coup, à mon avis, il y aura du pétage d'AP dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas. On essaiera de faire disband la fac, on essaiera vraiment qui nous donne les AP. On fera tout pour qu'on les ait, parce que là, vraiment, si on les a, on a un putain d'AP, mais j'aurais fait 12 chunks notre AP si on l'a. Du coup, bah vous inquiétez pas, cet AP-là, on l'aura un jour, c'est sûr, vous inquiétez pas. On a pas mal de fac, pas mal en ali. On va tous se refarmer des P4, etc. Donc notre but là, c'est vraiment d'avoir vraiment beaucoup de P4. Chacun, j'aurais avoir peut-être un DC de P4 chacun, ça serait vraiment bien. On va aussi finir la base claim pour qu'on puisse vraiment stocker notre stuff dedans. Parce que pour l'instant, on peut stocker notre stuff, mais un étage chacun. Du coup, voilà. Donc ici, c'est l'AP qu'on compte défoncer. Là, il y a déjà des AP qui ont été bien build. Ce qu'il nous avait dit aussi, c'était que hier, il nous avait dit... Vous croyez que ça nous fait peur qu'on va faire péter votre AP, etc. Parce que bah, je leur ai parlé hier sur test, etc. Et bah, je leur disais que si ils ne nous donnaient pas notre AP, bah, du coup on pourrait faire péter un peu comme on voulait, vu qu'on avait tous les claims autour. Et ils me disaient, ouais, de toute façon notre AP il sera full obsidienne demain, etc. Donc bon, après vous pourrez me dire si ça c'est du full obsidienne, mais bon, voilà, plutôt full cobble. Et full cobble, on peut faire péter ça ultra facilement. Du coup, bah vous inquiétez pas qu'on va tout faire péter, mais ça va être assez violent. En plus, la TNT, je coûte vraiment pas cher au shop. Et des membres dans notre faction qui ont plus de 30 000. Moi, là, j'ai 4 000. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et bah, 4 000 $, on peut acheter vraiment pas mal de TNT. Vous inquiétez pas, là, la TNT, ça va péter. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour la TNT, n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes. Et pour les suivre, eh bien, faut vous abonner. Et ouais. Du coup, si n'hésitez pas à mettre un petit like pour le montage. Parce que vraiment, le montage, je trouvais que c'était assez épique. Donc, pour moi, c'était assez bien. Dites-moi votre avis dans les commentaires pour la séquence PVP. Parce que moi, je trouvais vraiment ça assez épique et tout, la musique. Donc voilà. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Salut tout le monde, c'était TomTom03. À la prochaine. À plus.